Alors moi j'ai fait un mélange comme un appareil à pétivier, comme une crème d'amande, alors avec des noisettes, avec des noix, avec du beurre, un peu de sel, un tout petit peu de sucre. Ça, ça va être un petit peu le lion. L'esprit maintenant du concours, c'est de découvrir une vraie cuisine d'auteur. On va voir là la spontanéité des cuisiniers qui ont eu le thème hier et qui vont en une nuit, sans faire d'essai, recréer ce qu'ils vont avoir pensé. Et donc ça va être de la vraie spontanéité sur la recette. On n'est pas là pour piéger les candidats, on est là pour qu'ils fassent l'excellence. Dans la vieille cuisine, on avait des vols au vent, mais vous voyez les vols au vent, c'est des recettes qui sont à la mode maintenant. Vous allez dans un bon bistrot, quelqu'un qui fait un bon vol au vent, c'est merveilleux. C'est bien d'avoir des cuisines innovantes, mais c'est aussi bien de garder nos traditions et des plats comme les piquiviers, comme les feuilletages, c'est quand même des choses qui font partie de la gastronomie française et qui vont avec le champagne. Savoir-faire, c'est indispensable, c'est un socle, c'est une pierre. Mais si jamais le cœur ne s'invite pas à la fête, si jamais l'esprit n'emmène pas les choses beaucoup plus loin, si jamais la culture et cette capacité de l'embrasser n'enchantent pas la gastronomie, et bien finalement, il n'y a plus d'excellence.